Et salut tout le monde, c'est Farage en compagnie de mon ami Warer. Salut Warer, salut. T'es en bas. Allez, vas-y, essaye. Loupé. Allez. Au bout de la deuxième. Bien joué, bien joué. Alors, je deviens un sniper. Bon, on va aller vider nos bourses comme on avait dit dans l'épisode précédent. Allez, rentrons à la maison. Ah purée. Ouais, on va rentrer à la maison. On va poser toutes nos affaires. C'est quoi ici? On va voir quel donjon il faut faire après d'ailleurs, parce que je n'en ai aucune idée. C'est quoi? D'accord, ça? D'accord, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait un petit bateau, un petit voilier. Bah ouais, je sais pas. Bon, c'est peut-être ça en fait. Moi je pensais que ça allait être un point exprès et tout, mais non. Non. Bon, rentrons à la maison. En tout cas, cette forteresse était très 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 sympathique. Hein. Elle était fortement sympathique. Et je dis quand même GG à celui qui a fait la map, parce que c'est vachement bien construit. Hein. Très 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 bien construit comme map. Faut savoir le faire, honnêtement. Ah, moi je sais pas faire ça, c'est clair. Hein. Oh, bah alors là, moi encore moins. Hop là, voilà, j'arrive sur la terre ferme. Et donc, direction la maison. Oui. C'est quand même vachement pratique ces talismans. Hein. Ouais, ah ouais, c'est rapide. Bah oui, c'est. C'est efficace. C'est le but du talisman. C'est efficace. D'ailleurs, il va faire nuit, ça tombe bien, on va pouvoir prendre notre point de spawn à la maison. Je sais pas, je suis tout près de maison là. Moi j'y arrive, j'ai passé la grande tour là. Non mais c'est parce que moi j'essaie en bateau, tu sais. Oh oula, alors le temps que tu arrives. C'est bon, moi. Attends, je vois un. Ah oui, j'arrive à. Je vais aller voir quelque chose, tu sais. Je me demande si les points de redstone qu'on a cassés. Bon, ça m'étonnerait hein, que mon hypothèse soit exacte, parce que ce sont des objectifs bonus, mais je me demandais si ça pouvait pas nous permettre de traduire le truc, tu sais, qu'il y a à traduire. Warer, question. Oui. Est-ce que tu as récupéré la bannière de la forteresse de lave? Non, c'est toi qui l'as récupérée. Non, je ne l'ai pas. Ah, de la lave, j'ai rien touché. Ah, ça y est, je l'ai. Je sais pas pourquoi elle vient de pop dans ma main. Donc c'est bon. Ah, je suis au niveau du point de difficulté. D'accord, ouais, non. C'est pas loin alors. Alors attends, j'ai posé les trucs. Je vais aller voir. Au niveau de la traduction. Et quand on aura posé les barrières, ça va nous faire quelque chose Enfin, les bannières, ça va nous poser quelque chose en plus ou... Je n'en ai absolument aucune idée. Ça, c'est une question. J'en ai clairement aucune idée. Bon, Coffre. Faudra refaire un coffre. Oh, attention, une lune de sang a commencé. Cette fois, on est à l'extérieur. Hein. Je suis pas dehors, moi. Ah, d'ailleurs, point de spawn, tout de suite. Allons-y. Dodo. Avant que les mobs arrivent, c'est bon. Ça, c'était une bonne idée. Ouais, et c'est à mon tour d'upgrader la maison. Voilà. Non, c'est moi, j'avais dit. Bon, alors vas-y. Wouhou ! Joli ! Joli, joli ! Alors, nous avons 10 émeraudes, du charbon. Farage ! 20 émeraudes. Tout y a changé en dessous. Nous avons un CD, hein, intéressant. Bah mais alors, j'espère que ça ne changera pas. Alors attends, là-dedans il y a quoi? De la glace, 30 bœufs crus que je vais m'empresser de faire cuire. Je vais faire 3 coffres. Un seau de lait, des ragoûts de lapin, des pommes de terre, d'accord. Là-haut, ah on a une terrasse maintenant, c'est cool. Ça peut être attiré ça, oui. Ah oh. Là, ça, je garde. Tiens, Horreur, viens voir ce qu'il y a dans le coffre sur le toit. Attends. Déjà, faut que j'ai pas récupéré encore. Et là, derrière. Ah, on va avoir une terrasse extérieure, là, bientôt. Oh, putain, on a un dropper de bateau, c'est cool, ça. T'as vu ce qu'il y a en haut? Attends, j'ai pas encore pu regarder, parce que là, je suis en train de me déséquiper de tout ce qui est armes et autres. J'ai fait un autre coffre derrière. Donc je vais regarder quelles armes je vais m'équiper. C'est qu'on va laisser pour le moment. Je voudrais enlever toutes mes popos.
Alors moi j'ai plein de trucs à poser. Moi j'ai quasiment, dans mon coffre, j'ai quasiment que des popos, hein, pour te dire. Eh ben utilise-les, on a 70 émeraudes. Alors la clé, je la prends quand même, parce que si on trouve un port, ben on va aller au port. Ouais. Pommes dorées, je les garde quand même au cas où. On ne sait jamais. Oui, les torches, je m'en fous. Je vais récupérer des épées. Alors, je vais regarder quelles sont les meilleures Tiens, épées. Tiens, regarde les deux épées qui sont dans le coffre là que je suis en train de poser. C'est les deux épées que j'avais récupérées. Alors déjà, je prends la hache. Parce que la hache, elle a l'air violente. La hache ? Ah ouais, j'ai récupéré une hache qui fait 12,25 de dégâts. Tranchant 5. Ah ouais ? Donc, c'est pas mal. Il est comme ça, Warrior, il récupère des haches. Bah ouais, ça a été looté, donc... Bah oui, oui, oui. Clairement. Hein. Parce que moi, les épées, j'aime bien les utiliser quand même, au cas où... Oh, punaise, celle-là, elle est trop bien. D'accord. Bah regarde dans mon coffre à moi aussi, hein, je t'ai posé pas mal de trucs. Ah, mais c'est pas... Enfin, dans mon coffre, coffre dans à tout le monde. Hein. C'est pas mon coffre à moi, je veux dire, oui, voilà, dans l'autre coffre. Ah oui, elle est pas mal, l'Iron Swords. Et en haut, il y a... Attends, je vais récupérer ce qu'il y a dans le coffre là-haut et je vais te le mettre dans le... L'Iron Sauce, je veux bien la prendre. Bah prends, moi j'en ai pas besoin, donc prends. Tiens, regarde. Je pose ce que j'ai récupéré là-haut. Plastron. Ah bah tiens, t'aurais dû le récupérer... Ouais, voilà, ça. Ce qu'il y a en bas, là. Alors, plastron, diamant. Agilité aquatique. Ah oui, quand même. C'est pas mal l'agilité aquatique. Ouais, moi je vais quand même garder les chaussures protection contre le feu, les explosions et les projectiles, mais... Par contre des jambières, ah ouais non, protection 8 je garde. Le casque, il va m'en falloir un autre. Qu'est-ce qu'on a comme casque? On n'a pas des casques terribles quand même. T'as pas casque, récupéré un casque dans tes aventures toi? Pas du tout. Bah non, parce que j'en ai déjà pas sur moi. Celui-là. Attends, protection 5... Ouais, protection 4, protection 4... Bon, je vais prendre de protection de 3 en maille, ce sera toujours plus solide. Voilà, ça je le pose. Bah moi je prends protection 5 avec solidité. Putain, j'ai encore ces problèmes de lag. Je suis désolé, je sais pas d'où ça vient ce truc de lag de merde. Hop. Ça donc je pose. Maintenant il faut des bottes, comme on dit. On va en garder un, ça au cas où. Voilà. Je vais prendre ça. Une fois que tout sera cuit, si j'ai assez de niveau, je vais essayer de... Attendez, je vais faire ça, ça commence à me gaver. Une fois que tout sera cuit, si on a assez de niveau, je vais essayer de... d'upgrader la maison encore. Il reste combien de niveaux du coup là? Pour toi? Moi j'en ai 36. 36? Et c'est quoi? C'est niveau 35 non? Elle est niveau maximum la maison, ça y est. Ah ouais? Ouais ouais, on peut plus la up. On a la maison niveau maximum, ça y est. Ok. Donc maintenant les niveaux c'est que du bonus. Donc maintenant si un prochain truc c'est toi qui devras l'actif. Ouais plus... Donc là c'est... Ah oui donc en fait on va... Bon ça on fera en off pour organiser la maison mais... Ah oui parce que là du coup maintenant on va pouvoir enfin poser des coffres au-dessus. Ouais et encore que c'est joli, moi je préfère... Je dirais qu'on pourrait tout laisser en bas en fait. Ouais mais faudrait peut-être agrandir non? On pourrait tout laisser en bas. Parce que là, bah, pour l'instant on a ce qu'il faut, mais après on fera, au pire on a le toit aussi, enfin on aménagera, on fera une... Ah oui on... c'est vrai. D'ici la fin de la série on essaiera de faire une maison un peu plus jolie. Et là on a un dropper de bateau hein. Dropper de bateau, ok. Ouais, là dehors. D'ailleurs il faudra qu'on retourne sur l'île, enfin pas sur l'île, où il y a les villageois. Parce que... Oui, la forteresse tu veux dire? Oh, ben où il y avait les villageois, les marchands qu'on pouvait acheter, enfin qu'on pouvait échanger, parce que là on a beaucoup de chair putréfiée, on a du charbon, etc. Ah, donc faudra aller voir. Tiens d'ailleurs ça me fait penser, quel est le prochain donjon? I don't know. Ah bah tiens attends, maintenant les lits on peut les mettre en intérieur, je vais les péter. Ouais tu peux les mettre maintenant en intérieur, c'est pour ça je te dis maintenant ça va être mieux. On va les mettre sur le toit pour le moment. Alors l'arc... J'aime beaucoup ce système d'upgrade quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. Je trouve ça très sympa. Donc on va les mettre là. Allez, un ici. Hop. Bon, oh là là. C'est toujours le bordel pour de toute manière ranger nos inventaires. Et un ici. Non, moi il est rangé depuis un moment mon inventaire. Hein. Bah moi non. Parce que je garde pas mal de petites choses quand même au cas où. Alors...
Donc le prochain donjon, c'est la tour, et après il y a l'Undercurrent. Alors la tour, moi je présume que c'est celle qu'on a vue près de l'œil de Sauron, mais je n'en suis pas sûr. Mais là aujourd'hui, je te propose, parce qu'on a quand même avancé là en deux épisodes, on a fait 4 donjons. Yep. Je te propose qu'on essaye d'explorer un petit peu, voir si on peut pas découvrir de nouvelles choses. De nouveaux horizons. D'ailleurs, moi, il y a un truc que je serais tenté de faire, je vais montrer aux viewers, c'est que... Non, attendez, il faut que je me mette là-bas. En haut, moi c'est ce que je voudrais faire. C'est ça, exactement. Donc d'ici, alors là on le voit pas, mais on le voit de nuit d'habitude. Là on le voit pas. Ah ça y est, ça apparaît. Donc là-haut vous avez le magasin. Enfin le magasin, là où on achète les bonus avec la carte de la map, etc. La voiture, par là, ça a pas encore apparu. On a là où j'avais récupéré les amulettes. Et là-bas il y a un espèce de truc bonus. Donc moi je serais tenté. Bah alors peut-être Warrior, je te laisse y aller du coup si tu veux le faire, parce que t'as pas manipulé trop la voiture. Si, moi je l'ai déjà manipulé la voiture. Bah, je te laisse le faire et moi je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver des trucs. Des maisons qu'on aurait oublié de... Moi c'est le premier truc qui m'a choqué, je l'avais vu assez rapidement. Je me suis dit mais attends, ça va être un portail ça. Si ça se trouve c'est peut-être un portail. Je te laisse aller voir. Hein. De toute façon, hein, là... Ah tiens. J'espère juste que je vais pas me foirer parce que si on doit sauter et que je me scratch... Te foire pas, moi je visite pour l'instant. Je vais essayer de trouver, donc le prochain donjon c'est la tour. Je vais essayer de voir si je le trouve. Si je le trouve pas, bah c'est pas grave. On ira explorer un petit peu. Lui, qu'est-ce qu'il vend? Alors, 2 émeraudes pour l'épée. Ah oui, lui c'était le mec qui vendait le stuff de la terre. Ah oui, c'est vrai, j'ai les nuages. Je vois plus vraiment où il est le truc. Il a les nuages. Je sais plus où c'est. Quel est cet endroit? On avait été ici. Ah, je vois pas le truc. Tiens, comment on y... Ah oui, on avait dû y aller vu que la porte est ouverte. Alors, je vais enlever les nuages. Là, les c'est nuages. Fermé, donc on n'a pas dû y aller. D'ailleurs, je sais même plus où c'est les nuages avec ce truc. Et effectivement, nous n'avons pas été. Bon, le gâteau, on s'en fout. Animation. Ouais. Je suis vraiment désolé pour ces problèmes-là. Je sais vraiment pas d'où ça vient. Tu sais pas... C'est quoi en anglais nuage? Alors je sais pas, je sais vraiment pas. Ça devient. Non. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Cloud. J'ai trouvé. Ça doit venir de ma connexion. Donc je fais des décos recos, je suis vraiment désolé. Hein. De toute façon, c'est le dernier épisode de cette session. Donc après, j'irai voir d'où ça vient. Alors. Il va bientôt faire nuit. Déjà? Ouais. Ou alors c'est le soleil qui se lève, je sais pas, mais je crois qu'il va faire un tour vers nuit. Quel est cet endroit? On n'a pas été ici. Ouais, ça a allumé ça a mis le courant. Une pioche en pierre et facilité 3, je prends. Des lingots de fer, je prends. Là-haut, j'entends des squelettes. Bonjour, messieurs. Au revoir, messieurs. Des flèches, des os, une émeraude encore. Et... Oh encore... Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord, c'est un trampoline. De quoi? Le truc qu'on a vu? En fait... En fait, si tu... moi je me suis un petit peu foiré, donc j'ai pris un peu de dégâts. Mais en fait, c'est une sorte de trampoline. C'est tout. Regarde, par exemple, TP-toi sur moi. Attends, parce que là je viens de découvrir une grande maison qu'on n'avait pas visitée encore. Ah. Alors attends, je finis de la visiter et je me TP sur toi. Il y a un grand sous-sol visiblement, donc il y a peut-être un coffre. Donc c'est pas du tout un portail ou autre. C'est vraiment. J'ai trouvé un autre truc, objectif secondaire, détruire le bloc. Donc je le détruis. Voilà. Alors, il faudra qu'on cherche ce que ça active ce machin. Bon, je me TP sur toi. Tu ne bouges pas si tu te TP. Hein. D'accord. Et hop, t'appuies sur le bouton, là il y a un bouton. Toum. Appuie sur le bouton. Voilà. Boing. Oh putain, c'est génial pour avoir un point de vue du truc. Et par contre, il y a un zombie. Attention à pas casser le truc, hein. Ouais. Mais c'est quoi? Il y a cassé là ou quoi? Alors que j'ai pas tapé dessus. Ouais. Ça doit être celle-là, la tour, je pense. Allez, je vais aller voir ça. C'est pas mal. Là, c'est pour ça, j'étais tenté de voir si c'était un portail ou autre, mais c'est pas vraiment un portail en fait. Ok. Porte intéressant.
c'était sympathique, j'avoue. Alors, est-ce que c'est ça, la fameuse tour? Eh, on dirait. Il y a un panneau là-bas. Est-ce que c'est ça? Tower Dungeon, ouais, c'est celui-là. Donc, on va le faire, mais une autre fois. Oula, pourquoi il y a du feu ici? Pourquoi ça brûle ici? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un... un mob? Bon. Non, même pas, je sais pas. Ça, c'est quoi? Place the building block. Ah! On peut construire une autre maison ici. Il faut placer un building block. Tiens, je vais aller le faire vu qu'on a pas mal d'émeraudes. Aujourd'hui, c'est l'épisode un peu détente, hein, les amis. Bah, je me mets là, comme ça, tu pourras te TP. On se balade, on explore. Je reste comme ça, tu pourras te TP. T'es où? Moi, je suis devant le truc. Donc, le temps que tu ailles chercher... Bah, juste devant le... Devant le building block. J'attends devant le building block. Comme ça, tu pourras... Non, mais je savais pas que t'étais derrière moi, en fait, c'est pour ça. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. J'ai vu le truc. Si ça se trouve, ça va peut-être nous donner un truc intéressant. Je sais pas, en tout cas, il faudra explorer toutes les maisons, parce que là, tu as vu, il y en a une qu'on n'avait pas visitée, où j'ai pu détruire un bloc pour l'objectif secondaire. Hein. Ah oui. Alors, combien il en faut déjà, je me rappelle pas. Oh, je crois que c'est 20. Je viens de faire une connerie, j'ai encore jeté ma potion de régénération, là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça c'est foutu lag en fait. Je suis vraiment désolé. On va devoir faire avec pour cet épisode et ce sera résolu pour le prochain épisode, je vous le promets. Authentification en cours, c'est très long. Ouais, non, j'ai clairement un problème. Je pense qu'en fait ça vient de Mako, ça doit être mon coloc qui est en train de pomper toute la connexion. Hein. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il doit regarder des vidéos importantes et du coup. Yamete! Tu m'entends, Barbar? Oui, je t'entends. Ah, d'accord, voilà. Zombie! J'arrive même plus à me connecter. Oh là là. Il y a Zombie? Authentification en cours. Authentification en cours. Ah, oui, là, c'est la galère. Ok. Ah, t'as rejoint, c'est bon. Mais. Ah, ça y est, je suis là. Ouais, ouais, attends, j'ai rejoint, mais là je suis dans le vide intersidéral pour moi. Oula. Mais c'est 20 émeraudes, hein, il me semble. C'est bon. Donc 20 émeraudes. Alors, c'est bon, on en a pas mal. Ah oui, quand même. Depuis le temps, on en a récupéré. Et on pourra encore en avoir. Il nous en reste 51. Ça va. Donc je vais aller faire ça tout de suite et après je vais me TP sur toi. Alors. Moi j'ai même misé ce thé. C'est trop rigolo. Voilà. Tac. Her. J'aime bien parce que je suis venu le voir, il a fait her. Je lui ai mis les 20 émeraudes, il a fait her. Ah, il est content, hein. C'est clair. Il est content. Mais voilà. Voilà. Alors, je pose le bloc. Tac. Tadam. Une belle maison, d'ailleurs. Même l'intérieur est sympathique. Et dans le coffre, alors. Je regarde juste. Ouais, je ramasse ça, des potions de vitalité. Ah, solidité, t'as vu sur ton... Oh, solidité, ouais, ouais. Bah, il faudrait ramener tout ça à la potion maison. Potion de force et potion de vitesse, ok. Il faudrait ramener tout ça à la maison. Donc, je prends. Ah okay. Little quoi je... Eh, hey, mais il me je tape. Donc là, c'est le donjon. Oh, je crois que c'est un coin XP, ça. Bah, de toute façon, il y a plein de spawners qui sont des coins XP. Ah, ouais, mais là en particulier. Ah oui, non, ça, c'était la maison des witch. On y est. Voyons. Bah, je propose que celle-ci, on va la garder. J'ai oublié. Donc, ça, c'est la tour. On ira plus tard. N'oublie pas qu'on est la nuit, donc c'est différent la nuit et le jour. Là c'est ouvert, donc en fait j'ai fait le tour. Là. Ouais, mais là en fait là, c'est un bon petit coin pour XP quand même. Si c'est regarde, fermé, regarde, j'ai posé deux torches sur un bâtiment là. Si c'est fermé, c'est qu'on n'a pas visite. Ouais, bah là moi aussi attends, fermé. Des flèches, oui, non mais donc, en fait tout ce qui est fait, toutes les maisons visitées laissent ouvert. Comme ça on sait qu'on a visité. Okay. J'étais juste au-dessus là-bas, en fait de mon point de casino. Point de ferme. Oui, j'ai vu. Là, il y a une autre maison. Alors, plus, là dedans, tu subis nous pas avons... trop de dégâts. Nous avons, disais-je, protection contre le feu, des flèches, tac tac, des émeraudes. Ici, nous avons
Oh, que c'est pénible! Des pancartes, des pots de fleurs, des tableaux, des portes, on s'en fout. Voilà. Date ping, là, c'est le ping de l'enfer, quoi. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Oui, là, c'est ta connexion. Bon. Confirmation, c'est la connexion. Ouais, je pense. Tiens, là, il y a un coffre. Avec un spawner à creeper. Ouais, non, je pense qu'il doit être en train de... Ah bah voilà, le truc a explosé sans que je le voie. Ok, c'est pas grave. Aïe. Là, il y a une maison étrange. Oh, ça va, je suis déjà niveau 13. Ésotérique. Là. Ah, moi, je suis niveau 37, là. Aïe, aïe. Aïe, mais en sachant que moi, j'avais réutilisé les trucs, c'est pour ça que je suis dit 5 coins farm. Donc là... ça c'est le trampoline. Et comment on rentre ici? Elle est où la porte? Ah, elle est là. Tadam! J'ai absolument rien dans cette maison. Peut-être dans le four. Non, il y a rien. Bon. Attends, on va se mettre dans la maison. Et je suis vraiment désolé, mais ça devient vraiment injouable pour moi. Donc si ça te dérange pas. J'ai activé un truc en plus. Si ça te dérange pas, j'aimerais bien qu'on s'arrête ici et qu'on reprenne une prochaine fois parce que là c'est juste. Bah, de toute façon, on est déjà à 21 minutes. Voilà, donc ça va. Hein. Et j'ai fait apparaître. Attends, j'ai fait j'ai fait apparaître un coffre là. On va juste le prendre. Il y avait quoi dedans? Des popos. Ah, il y a des potions. Allez, on prend et on verra ça plus tard. Voilà, voilà. Bon, ben, je suis désolé pour cet épisode. C'était le truc un petit peu détente. On espère que ça vous aura quand même plu. Et puis, ben, rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde. Salutations.